mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Je suis encore ravi une fois de plus d'être devant vous pour vous présenter ce nouveau numéro où nous allons encore discuter sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mes chers amis, ce qui s'est déroulé hier avec, je ne peux pas dire marche manquée ou ce qui est, c'est une preuve de force des partis politiques de Martin Fayulu, qui la marche a été étouffée. Il y a eu quand même, la marche a eu lieu, ils ont fait ce qu'ils voulaient, parce que nous allons vous démontrer ici dans cette émission d'aujourd'hui qui est le perdant, qui est le gagnant dans ce qui se passait hier. Ça sera sur l'actualité. Mes chers amis, je vous ai parlé hier que le FARDC était en train de monnayer les corps des massacrés. Babomi batu, ba FARDC ba yoko kenge la ba place wana, yonde kona yo azana akufa kipuna o zoke ne konuka, nzoto ya mwei, ba FARDC ba zako senga yo 150-200 dollars po ba pesa yo kor o kende kokunda yango. Eza makambo a solo, eza li kambo a kolobate ke oh non azo inventé biloko. C'est vérifiable. Ce qui, batu msusu ba zotu nanga isa leza wapi, isa leza li kote a... Ça se trouve au nord, au nord-sud de Lubero. Et ça côté à, je crois, ça 25 à 30 km, 60 km, na Butembo et puis aux autres Kendenets, aux autres côté à Ouganda, kuna. Bamaï Bazali kuna, disons, ADF Bazali kuna, en tenue militaire, Batouana Babomaki. Ils étaient en tenue militaire, bateau, bazar, aucun élève, ils avaient tenue militaire, il y a FARDC. Ça, c'est justement une précision que je voulais vous apporter sur cette histoire-là d'hier. Et on a le bac qui n'a pas hier. C'est vérifiable. Et ça, les Kambouako, qu'on est à gauche, à droite, c'était. Alors, les lots, quand on a les Kambouana, il y a marche. On va parler sur la marche qui a eu lieu hier. Par conséquence, on va parler aussi de l'actualité, ce qui se passe au Parlement, na Sénat, na Bisso. On conclura par ce que nous devons faire pour sortir de ce marasme ici. Yanania, tozo kende wapi. Mboka na Bisso, qu'est-ce qu'il faut pour que toto longwa na babiloko oyo. Voilà un peu circonscrit, un peu ce que nous allons parler aujourd'hui. Toko lobela biloko wana toko. Essayez un peu de répondre surtout. Puis là, si j'ai allé là, ils allaient parce que vous aviez posé beaucoup de questions. Il y a un recadré qui a un obi, na koloba, na mouna, mouna, babilo, koumsousou. Alors, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de nos sujets là. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection. Net.com. RDC, le départ échelonné de la MONUSCO en programmation. Et puis, traque des ADF à Beni. L'armée appelée à changer sa tenue militaire à Bachou. Beni, toujours attaque sanglante des rebelles ADF à Mutendero. On va sur actualité.cd. 6 civils tués dans l'Est, près de 750 morts en 4 mois. Et puis, marche de la Moukal, VSV. Condamne les bavures policières, les traitements inhumains et infligés aux manifestants et appelle à une enquête pour sanctionner les coupables. On va sur Congo profond. Chine, RDC, 656 millions de dollars pour la centrale hydroélectrique de Usanga. Et puis, sécurité, le président du Sénat, Modeste Bahati, note des avancées sécuritaires significatives, c'est selon lui. On passe sur 7 sur 7. Nord Kivu, deux bastions de miliciens APLC reconquis par l'armée à Masisi. Et puis à Lubumbashi, obsèque de Kyungu, les activités socio-économiques paralysées en ville, au centre-ville. On termine par Radio Okapi. À Butembo, 8 morts et plusieurs maisons incendiées dans une attaque de présumés ADF. L'Assemblée nationale s'engage à lutter contre la fraude minière. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir.
tobandana nu côté à est donc na état de siège surtout à Beni bandeko. Il y a deux jours je crois dans Ebisa Kibino sorti il y a maire à Beni tant où a réagista qui sur les journées les deux jours lundi na mardi zala qui batuba décréta qui jour donc ville morte et zala qui réussite les gens sont restés à la maison. En tout cas, les activités commerciales étaient au ralenti dans les deux villes entre Butembo et Beni. Batuba babandi kokola muka muke muke. Je vous avais dit que cette histoire ici, le peuple commence, c'est comme ça toujours commencé. Et bandaka malembe malembe. Il y a beaucoup de bavures, même la justice nabiso. Au lieu que justice militaire wana est ou comme moyen ya ko détecter. Na bato bakangami comme les ADF comme banani bakangi bango basambisa bango non bato na bazo sambisa bango te. La justice s'attaque à ceux qui sont en train de s'attaquer à l'état de siège. Les journalistes sont en train d'être inquiétés. Donc Kimia ezali te na est, ça c'est un fait. Mère Abeni abimi siko na ba discours na ezali ko attaquer justement bato baza ko lobela likambo ya état de siège. Ça c'est ce qui se passe à l'est. Ba soda na biso baza ko kengela ba endroit o ba massacre zalaki et c'est là où il commence à monnayer. Soki oyo koluka mutu wa disparaître o kendo tala soki aza na kati ya ba bibembe wana futa mbongo po ba peso soko moni o ke futi mbongo ozwe bembe. Ça c'est en fait. Bandeko, ba marche à l'obieza la kindengeni. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une violation de la Constitution, encore une fois de plus. Na yemisa ki bino boe, na lobi, qui gagne à ce qu'il y a des épreuves de force? Na yemisa bino ke pour le moment, kota yanani ya Martin Fayulu et Mati Likolo. Kota opposant et Mati Likolo, donc. A power, a puissance à Makasi parce que il s'oppose, il expose maintenant bah erreur oyo ya régime oyo est en place. Régime côté un régime en place il de peur sur quoi que ce soit. Baza siko en dessin quoi que vous allez faire. L'acte oyo ya kopeki salikambo que Martin Fayulu a marché ezalaki ezana en tout cas balance nango eza ko peser négativement sur Étienne Tshisekedi. Il sera difficile maintenant pour l'instant ba toza comme on a balobi to baza Martin Fayulu nde muto ba azo exposer yo aza ko exposer yo donc il a maintenant nani peuple ba comme kolinga sikoyo ba épreuve de force wana que non Martin Fayulu bengane la biso mutu oyo nde mutu aza kotye la biso situation ya mabe. Quoi que le président fera pour l'instant ekokende kaka na côté négatif. Regardez ce qui se passe na CENI na quoi que ce soit. Botala ba motif oyo Martin Fayulu abimisaki liboso lobi to marché pona tel. Ça ce sont ce que le peuple pour l'instant réclame. Il fallait que faire quoi? Il fallait laisser les gens ba marcher na bango, ba manifester. Oyo ka bango. Et moi je crois que il fallait président de la République soka zala ki na Kinshasa, yemo kwa ke ne ko recevoir memorandum wana lobi oui bandeko. Ya solo ba makambo eza boye bongo, memorandum na bino yango o ke to recevoir yango to kotala ndenge nini makambo yango to kobongisa yango. Mais lorsque vous faites une épreuve de force n'engona, ezola kisakeno ozo sala makamu na loma, tu n'écoutes pas le peuple. Opposition ndenge nini wana yo za koyoka yango te. Mboka na biso tangu toza ko réclamer eloko, yoka ka batu. Yoka loba ke non na yoki likambo oyo, na yoki ça va donner encore sentiment ya malamu na batu balobi non, Félix ata za ndenge wana ata zo sala, mais il est en train de nous écouter quand même. Mais oyo eza ko fermer za ko loba tete to lingi ba makambo na te. To lingi ba makambo ko marche te. On marche pourquoi? Est-ce qu'on marche pour que toi ko bebi sa babiloko?
Et puis l'opposition a dit que non, biso toza comporté, toza koyebi sabino, voici ce qui se passe réellement. Mais vous aviez joué nandenge Kabila bandai kozal. Alors, qui est derrière ce que biloko oyo et ça les maboui? Toza d'abord un problème moko ya seni bandeko. Ça il faut pas qu'on oublie. Toza un problème que non toza koyo kanate na côté à seni. Le peuple est en train de voir que non, on ne l'écoute pas. Et c'est là le problème. Mais si le pouvoir aujourd'hui pouvait écouter à Koloba, que non, ok, si Botikabatouba marchait, Botikabatouba exerçait droit na bango, on pouvait demander tout simplement à Martin Fayolo, ce qui est loko et Boukani. Ce qui va tout ça, c'est la charge, non, c'est la mutu na yo. C'est comme ça qu'il faut, qu'il fallait négocier. Mais tant que vous avez le bac, non, c'est là où moi je dis ceci, que bateau va ça qu'on peut qui s'abîme que oh, ils ont battu ancien régime. Ancien régime, ils veulent faire ce que lui-même Félix faisait. Bah, comme ça, la négoana pourquoi? Puisque au finish, peuple et quoi qu'on à Félix, il va laisser encore écotique à la scotchan. Champ libre dans Mutumsusu. Or, Félix veut consolider mandat O. Attends déjà mandat O, ils ont qu'un côté échec. Mais je vois quand même sentiment à peuple. Nani. Je vois peuple linga quand même. Et puis ça, moi, et yo kake. Et mon attaque, non, attaque aux os à l'autre côté. Mais quand même, aux ana mato, aux oyo kabango. Le peuple n'a pas beaucoup, ne demande pas beaucoup que de les écouter. Attends pour ça les locaux mon côté mais au koyeba que osa koyoka peuple aza kolobanini makambuni nango eza pour ça les mana est. Regardez, vous êtes devenu silencieux makamba est comme ikande ngwana, on ne sait pas, le peuple ne sait pas après cet état de siège qu'est-ce que ils vont faire bakosala nini ngo sikolingo sala parce que le peuple vous a dit que non pona kosili sali kamboya est retirer armée nayo. Dans la militaire, aux Akotiawana, et ça va militaire, au Bazak, Basalaka, Mapilo, Kakala, réformer, armer, tout ce que le peuple te dit, toi tu ne le dis pas. Maintenant, Fayoulou a récupéré en haut, à l'obit, et loco boezo salema bienté, et loco boezo salema bienté. Toi tu ne veux même pas écouter, c'est ça le problème. Déplace-toi dans ce coin, Fayoulou a zako voir le peuple comme il côté naé. Aujourd'hui, sans beaucoup trop tergiverser. Ce qui va élection ça lelo. Leader PS et le Félix Tshisekedi va perdre à perdre en haut très facilement. Alors, maintenant qu'est-ce qu'il faut? To comme il a dit comme tozo kende boy, qu'est-ce qu'il faut? Makambo est aussi mbate faire de César désorganiser, c'est comme si le président de la République a entouré justement avec le même personne qui avait travaillé avec Kabila. Donc, le même méthode que Kabila faisait, ce sont les mêmes méthodes que Félix Tshisekedi a fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. Alors, et là, quand on a la moussanine, on a la moussa haine. Nakati a la population, ça qu'on a musa batwazoloba. Mais président, oh, on dès qu'on a mis son haut, tu espérais qu'il n'aie. Azo koyo kabiso te. Azo sala la même chose que Kabila faisait. Si nous avions combattu Kabila, c'était à cause de qu'on réprimandait, bah marcher, qu'on appose, y a qu'on n'ait pas respecté les droits humains, y a qu'on respecté batou. Nous avions combattu Kabila à cause de ces histoires. Makambo ebele, ça comment on a, et ça qu'on kundolama. Il y a globalement Kokundolama, c'est-à-dire quoi? Il y a ressuscité Bahen et Tribo. Les gens commencent à se dire, non, tu vois, il est en train de s'enrichir. L'argent qu'il a, il a acheté les avions, il les a eu où? Bandeko. Tout ça à cause de son de petits erreurs que le président Tshisekedi a fait. Il n'a pas le moyen de s'imposer. C'est ça la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que lui peut encore cautionner ce qu'il combattait hier. Quelle est la motivation? Tout ce qu'il il se battait pour hier, la même manière qu'il se battait pour que Kabila Kende, il est en train maintenant de le subir. Alors nous on se dit quoi? Qu'est-ce ici à Contact Pro Life on se dit
Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur le président? Qu'est-ce qu'il faut faire? Écouter le peuple. Associer le peuple dans la décision dans les décisions que tu es en train de prendre. Transparence na gestion en boka. Nous avions dit il faut bisogno soto yeba tozo sala nini tozo skende ndenge nini. Transparence ezala mutu na mutu asala musala oyo asengeli. Mais lorsque il y a beaucoup de questions qu'on est en train de se poser, on dit que non, nous irons aux élections en 2023. Toza na problème toyebi mbongo te ekouta wapi? Même lorsque on est en train de dire que non, on a emmagasiné beaucoup d'argent, on a récupéré IGF, faisons ça la boue. Justice en haut aux autres, et ça qu'on allait implémenter. La justice directement, l'opposition vous récupère l'obité. Justice aux âmes à la mouté. Ah, aux âmes, bah, cocoso, ananyonso, aux âmes à tout, nyonso, tout, aux âmes à la kissa. Que bateau, bazak, pemben, y'a président de la République. Na, toyebite, soki, bazako appliqué. La volonté à président de la République ou Néhéni. Maintenant, nous nous disons ceci. Il y a deux semaines, nous avions dit que le président de la République doit avoir le courage. Il doit s'armer de beaucoup de courage. Et puis, Azala convaincu na babiloko oyazo sala. Bandeko, tout ce qui se passe dans la ville de Kinshasa aujourd'hui, beaucoup de choses, la population ne concerne pas ça. Pourquoi? Parce que Moutou a zako dirige Kinshasa, a zako commettre ba bavire belé. Et tout ça, le président est en train de regarder. Il va retomber dans le même erreur qu'on reprochait à Kabila, que non, laxisme moko ezalaki. Imagine-toi par exemple au gouvernement, il y a des ministres qui sont en train de se bazako laxa, ba basses na bango, tout ça qu'on soit na côté. Et puis ce ministre-là, ba msou ba yibi, ba. Il n'y a pas, le président ne tape pas sur la table. Et à ça qu'on le bat, non, à quoi ça là. Et le temps passe. Bientôt là, septembre est aussi là. T'as au côté en novembre. Et 2021 est aussi. T'as au côté en 2022. Le président n'a toujours pas fait des réformes que le peuple est en train d'attendre. Nous ici à Contact Pro Life, nous nous sommes dit ceci. Biloko nyo soto eza kosalema awa. C'est un passe-temps. Tant que le président de la République ne prendra pas le courage à Koloba, fini récréation, babilo konyo ceci là. To tonga mboka oyo, eza mboka oyo nga moko na kotonga yango te. Président de la République, please, ne faites pas confiance à toute cette masse d'argent qui est dans les noirs. Oh, peuple a ébité. Oza kobimisolobite, toko sala. Kabila a bimisa kimbongo ya kosali sa ba élection. On a, c'était comme une baguette magique. Toi, ba kate place mbongo wana ebimi. Et c'est là où est le problème aujourd'hui. Même ceux qui sont en train de se battre pour que ba koma na place wana, ceux qui ba réforme malamo et salemite, ils vont retomber dans les mêmes histoires. Tango ba koma na place wana, ba koye ba kaka keno, mbongo, biso to koma ba millionnaire,
nous pouvons acheter des jets, nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire ceci. Bon, moi, Moutou Makasi. Il faut qu'on a la humble président de la République. Ce n'est pas l'argent qui va. Même ceux qui vont contribuer à même à 60%. Mais 40%, il y a Batou. Il faut avoir une unité nationale. Il faut transparence César là. Il faut associer le peuple dans la direction de Mboka Oyo. Faites à ce que le peuple va juger Batou. Si tu avais dit au départ que non, au cofouiné n'a passé à Batouté. Mais remettez à ce que le peuple puisse se prendre en charge. Batoukouna, par exemple, dans l'armée. L'armée, il faut mettre l'armée sur le fait accompli. Bandeko. On ne peut pas comprendre dans un pays comme le nôtre. Bota la na moi vidéo na tiela kibino na bandekouna. Il y a des rebelles à Batou exposé ba mandou ki ndengwana. Ça c'est aussi de Kivu. Batouazon ou Bakibazo Bundela Mboka. C'est-à-dire ces gens-là, baza société na katia yanani ya gestion en Mboka Oyo. Et ça, c'est dans tout. Et ça, dans le ministère, nous sommes pratiquement divisés. C'est ainsi que nous tenions surtout à cause de moi, possibilité. Il y a cause de la pouvoir, à cause de la profiter de moi. Nous tenions surtout à cause de moi, possibilité, à cause de moi, à diriger ou quoi, à Saliboué. Il va prendre ça, et ça, tant on a bango. C'est ainsi que Batouaza, Koloba, Kelelo, non. Le loi est pouvoir qui a Yabalouba. Parce que nous n'avons pas cette unité nationale. Moi, je crois que la chose qu'il fallait commencer à faire, il fallait commencer d'abord à la Ndengenini. Il faut réorganiser base pour que base est en contrôle dans la Babylone. Aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, Batouaza a confiance dans faire des celles sous soute. Mais il faut le mettre d'accord à aller écouter tout ça la nini. Bokoyo ka batwaza koloba que non Monisco wanane mtu foi que nene mtu zoya la biso ba mizo zo nyo so tout. Mais toi le président de la République, tu ne veux pas écouter le peuple. C'est là où tu es en train de perdre. En conclusion na eloko na za koloba awa. Perte ya popularité, même ya confiance au peuple za ko pesa yo. Ezako bandana ba erreur ya mike mike oyo. Et ça, vous avez commis, peut-être la vôtre ainsi. Regardez ce que tu as commis. Oh, le baka n'a mis son bateau, n'a pas eu de l'autre. Et vous venez découvrir, ma erreur est dans la 4e armée. Vous l'avez dit vous-même que non, mafia est dans la 4e armée. Pendant qu'on vous disait que non, il faut faire des réformes. Les réformes, à cause de la réforme dans la 4e armée, la population vous a dit comment faire. Pourquoi ne pas appliquer cette. Oh, le batouaza, non, quand on est d'abord par militaire, oh, tokoku fatel, moka et kokendete, nous avons encore confiance dans ce que président de la République, pour que la paix arrive là-bas, batoubalingi faire des sewananyo, surtout, même les policiers qui soient contre, bazala déjà, balongwananou, réorganiser le peuple entre eux pour que, récupérer, bango moko babanda pour construire unité nationale, wana. Parce qu'ils n'ont pas besoin de se faire baisser. Je crois même le peuple pourra peut-être accepter que Mundele et ça la force moko aba Mundele comme ezala ki nanani na yaka nanani na Artemis ya ba français tant ba yaki pona correct. Ils peuvent avoir encore confiance en ça. Mais Babylon ko ne faut ça accompagner na Babylon ko ya ko pesa pouvoir na bato akoloba. Ce qui ba bobomani kuna ezabino moko les gens se prendront en charge. Les gens pour aujourd'hui, par exemple, dans le Beni, les gens sont prêts à Koloba, tout vanda, tout à la Ndengeni de Tokyo, Kenge, Lambo, Kanabiso. Parce que, Batu Obaza, Kobomabiso, ce sont ces gens-là qui viennent nous dire que non, Bayeko, Kenge, Lambo, Kanabiso. Nous connaissons que ces gens-là sont venus s'enrichir sur notre dos. À Babiloko, Onyo, Sezako, Salemawa, et Zako perdre, justement, Bazako Linga, va perdre popularité, Nayo. Pour que tu ne sois pas voté. Et continue de quand on est nini. Tant que tu es comme en 2023, aussi les gens qui m'ont camboté, on a déclaré que non, côté qu'on a voté, c'est parce que l'insécurité est là. Or, l'insécurité peut, la sécurité peut s'obtenir par le peuple eux-mêmes en se disant que ici nous pouvons faire ceci.
Et le plan est là. Nous allons revenir encore une fois de plus dans nos prochaines émissions. Oya Koloba, quel est le plan qu'il faut mettre maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Batou va se prendre en charge et que Batou va vendre à Kimebaye Bakeno, Tokomi Mboka, Oeza Mboka Nabiso? Nous sommes chez nous, nous devons maintenir la paix chez nous. Nous en parlerons dans nos prochaines émissions, dans l'édition qui va suivre. Alors, avant de boucler cette émission d'aujourd'hui, je voudrais d'abord remercier pour tout le monde. Je remercie tout le monde vraiment qui se sont abonnés. Il y a encore beaucoup de gens qui ont mis des j'aime. Ça nous fait du bien. Continuez à faire cela. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous nous suivez tous les jours, abonnez-vous s'il vous plaît. Et puis, partagez aussi nos émissions, ça nous fera grandement plaisir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Je vous remercie et vous souhaite encore une très très bonne journée pour ceux qui nous suivent le matin. Et que Dieu puisse bénir vos travaux et tout ce que vous faites. On se revoit demain dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.